Dans l'espace public, tu devrais te sentir en sécurité et respecté. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et tu peux être victime de harcèlement de rue. L'autre jour, je suis passée devant un groupe de personnes qui essayaient de me parler, mais je répondais pas. Après ça, il y en a un qui m'a suivi et je suis rentrée dans un magasin pour que ça s'arrête. Le harcèlement de rue peut prendre plein de formes. Un regard insistant qui te gêne, un sifflement qui t'est destiné, un geste suggestif à connotation sexuelle, un commentaire qui te met mal à l'aise, qui peut aussi parfois aller jusqu'à l'insulte, voire des menaces. Une personne qui te touche à ton insu de manière volontaire, une personne qui te suit dans la rue. Hier, j'étais dans le bus et il y a quelqu'un qui est venu se frotter à moi. Le harcèlement de rue cible en grande majorité des personnes en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur orientation affective et sexuelle. Les femmes et les personnes LGBTIQ sont donc les plus touchées par ces violences. Il s'agit de harcèlement quand un individu ignore volontairement l'absence de consentement et force l'interaction. Le harcèlement de rue se passe dans l'espace public, dans la rue, les transports, les parcs, mais aussi les bars, les salles de concert et les magasins. Il peut causer un sentiment d'insécurité et inciter une personne à développer des stratégies pour éviter de subir des violences. Par exemple, ne pas porter certains habits ou accessoires, ou éviter certains endroits à certaines heures. Cela peut provoquer du stress et avoir des conséquences sur la santé mentale. C'est important d'en parler et de ne pas rester seul face à ces situations. En Suisse, certains actes sont punissables par la loi. Le harcèlement, ce n'est pas acceptable. Tu dois pouvoir te sentir en sécurité, n'importe où et n'importe quand. Tu peux demander de l'aide autour de toi. Et si besoin, tu peux même appeler la police au 117. Sur ciao.ch, tu peux t'exprimer et poser tes questions.